Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne de voyance, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve les amis pour une toute nouvelle vidéo voyance foot et on va s'intéresser au match que vous attendez tous depuis le début de cette compétition de l'Euro 2021. C'est France versus Allemagne. Laquelle des deux équipes va remporter ce match? C'est ce que je vais tenter de répondre à travers un tirage, même si ce match de pressentiment et d'instinct me paraît très très complexe. Donc, n'hésite pas à me laissez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Vraiment, c'est le moment d'exploser les pouces bleus. Je compte sur toi. En échange, je ferai le maximum de tirages sur le maximum de matchs de l'Euro 2020 qui se déroule en 2021 pour le coup. Et voilà, donc c'est parti. On va faire France-Allemagne. On va commencer avec le tirage pour l'équipe de France. Puis on fera celui de l'équipe d'Allemagne pour l'instant. Mes prédictions s'avèrent plutôt juste à 70%, donc c'est plutôt positif. Et on va voir si on me donne le bon résultat pour ce France-Allemagne. Si tu es curieux et que tu crois pas en voyance, à la voyance, tout simplement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Ça prend 2 secondes. Voilà, on est bientôt 9900. C'est pas pour rien si on est bientôt ce chiffre-là. Donc je t'encourage vraiment à t'abonner, à m'aider à atteindre cette fameuse barre des 10 000 abonnés. Voilà, je compte sur vous les amis pour partager au maximum avec vos familles, vos amis. Aïe, 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 moi je vois un match compliqué pour la France. Entre le mât, le départ inattendu, la transformation de l'équipe qui change par rapport à la Coupe du Monde, l'empereur à l'envers qui nous indique que cette domination va être difficile, la Lune potentiellement une déception. Mais aussi comme s'il y avait de fortes tensions pendant ce match-là ou des tensions au sein de l'équipe de France et beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'hésitation pour l'équipe de France. Voilà, la France va-t-elle faire un nul ou va-t-elle réussir à s'imposer face à l'Allemagne? On fait le tirage de l'Allemagne, comme ça va tout de suite répondre à la question de ce fameux match France-Allemagne qui a déjà eu lieu tant de fois et qu'on attend tous. Voilà, ces deux pays l'un à côté de l'autre, ces deux pays qui s'avèrent une véritable rivalité, mais aussi voilà parfois un accord. L'Allemagne, que nous réserve l'Allemagne? L'Allemagne qui n'a pas gagné contre la France depuis au moins 2014, il me semble. L'Allemagne, ouf, l'Allemagne, première partie de match assez dure. Je ne sais pas si la France marquerait contre eux parce que je vois une débandade pour l'Allemagne au début de match. Puis un équilibre trouvé, vite un équilibre trouvé. L'étoile, le bonheur, l'espérance, l'espoir, la chose positive qui les mènerait vers quelque chose de vraiment très loin dans cette compétition. La force, un peu trop de confiance peut-être du côté de l'Allemagne. Et le chariot, une potentielle victoire. Alors la victoire est quand même donnée à l'Allemagne. L'Allemagne serait-elle gagnante face à la France? Alors moi je vois deux possibilités. La France marquerait en premier, l'Allemagne vient égaliser. Ou la France marque en premier,
L'étoile, premier but de l'Allemagne, puis un but en fin de match qui serait un but victorieux pour l'Allemagne, ou tout simplement l'Allemagne, la France qui n'arrive pas à marquer et l'Allemagne qui confirme par un petit but, c'est aussi une possibilité. En tout cas, malheureusement, je ne vois pas la France supérieure à l'Allemagne pour le match de demain. On verra bien ce que nous réserve ce match. Voilà, n'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires, ce que tu penses de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus pour soutenir. Voilà, si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu es nouveau. Je compte sur toi. Et pour tous vos messages privés, c'est sur mon Instagram, Jérôme-Mera. Voilà, je te souhaite une très belle journée d'avance et je te souhaite un très bon match. Voilà, que le meilleur gagne et l'essentiel, c'est de se régaler. Voilà, à très vite.